Bon, et eh ben bonjour tout le monde. J'espère que ça a été. Vous vous ennuyez pas trop à la maison. Donc voilà, on va continuer notre aventure sur Kakarot. Donc allez, c'est parti, on continue. Hein. Alors, c'était l'équipe de rêve de la Terre. Ok, donc c'est celle-ci. On va, oui. Et puis, on va voir ce que ça vaut. On va attaquer la suite. Alors, rappel de l'histoire. Raditz, qui prétend être le frère de Son Goku, est membre d'une race de guerriers appelée Saiyan, bat rapidement Son Goku avant de kidnapper Gohan. Piccolo vient lui prêter main forte. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et on allait pour fracasser la gueule à Raditz. Donc, on va voir ce qu'il en est. Bon, alors, part en direction du village de Lucas sur la carte du monde. Alors, c'est bien, mais je pense que ça va être par là. Bon, on va aller et on verra bien. On va avancer et qu'on verra bien. Hein. Alors, carte du monde. Voilà, alors, carte du monde. Choisis une icône de zone sur la carte du monde pour t'y déplacer. Les lieux liés à l'histoire principale sont indiqués avec des piliers rouges, alors que ceux liés aux histoires secondaires sont des piliers bleus. Ok. En progressant dans l'histoire principale, tu pourras visiter de nouvelles zones. Bon, ça, ok. En choisissant une icône sur la carte du monde, tu verras les médailles D disponibles apparaître au-dessus du nom de la zone à gauche. Alors, j'ai débloqué la zone du ravin Est. Ok. Alors, on sait qu'on doit aller au village de Lucas. C'est ce qu'ils nous ont demandé. Donc, c'est parti. Bah oui. Ah ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Direction la fight. Alors, un petit rappel, Raditz qui prétend être le frère Son Goku. Bah c'est ce qu'on a vu, enfin c'est le même rappel qu'il y a tout à l'heure. Donc on va même pas y lire. Ou sinon, amusez-vous à y lire si vous voulez. Je ne vais pas le rappeler encore une xème fois, il n'y a pas besoin. Voilà. Alors, tu peux désormais voler en incarnant Son Goku. Ça, c'est bien. Alors, sélection du type de déplacement. Tu peux chevaucher, descendre du nuage magique et d'autres véhicules en utilisant les commandes suivantes. Le bas pour descendre, le haut en bas on descend. Voir des palettes de véhicules sur la croix et utiliser le véhicule sélectionné en haut. D'accord. En route pour Raditz. Trouver Raditz et récupérer Gohan. Ok. J'ai débloqué une récompense. Objet, on va déjà voir ce que c'est. Ce qu'on a eu en objet comme récompense. Ouais, bon, on verra après.
Alors, voilà, je suis descendu. En regardant en bas, je suis descendu. Ok. Ok, j'ai que le nuage. On voit tout de suite où il est. Il doit être dans le trou là. Alors, croissance du personnage, se nourrir, manger des plats ou de la nourriture peut aussi augmenter tes stats de manière permanente et fournir des effets de soutien à durée limitée. Les améliorations à tes stats seront mineures avec un seul plat, mais les effets de soutien seront plus puissants en raison de leur durée limitée. Mange plusieurs plats en même temps, te permettra de gagner plusieurs effets. Plus tu manges et plus tu deviens fort, alors remplis-toi l'estomac à chaque occasion, surtout si tu sais que tu vas devoir affronter un adversaire coriace. Ok, bah ouais, bon. Alors, croissance de personnage. Tout dans le monde du jeu aide Son Goku et ses amis à progresser. Essaie de le plus de choses possible et crée ta propre aventure. Ok. Utilise le poisson bouilli que Chi a préparé pour toi. Hein, c'est pas con ça. Hop. Hop. Ah, j'ai mangé le poisson bouilli, donc je suis un peu plus fort. Mais quand même, Raditz qui nous attend, donc je sens que... Malheureusement, ouais, on va mourir, malheureusement. Ah, on va le faire manger ça. On va le faire manger. Ah, c'est pas mal ça. Oh, j'ai quand même ramassé hein. Ouh, ça fait mal ça. Ah ouais. C'est con, hein, parce que j'ai failli l'avoir. Allez, vas-y, charge, charge, charge. Oh, c'était limite ça. Je suis hein, je suis pas loin hein.
Ouh, ça fait mal, je l'ai bien fracassé là. Allez, vas-y, tiens, ramasse. Non, là. Attends, objet, on va utiliser ça. Hein. Sachant qu'on n'est pas loin de se faire rétamer la tronche. Comment ça, finition? Tiens, j'ai gagné quand même 756. On l'a battu? Non, on l'a pas battu quand même, ça aurait été trop beau. Si, je mérite de vivre, faut arrêter de...様々な新米にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った2人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しい取って置きの技なんかないのか。すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して 新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間奴と一人で戦って動きを止めろ。わかった。食い止めてみっか。Bon, faut que j'essaie de le retenir au maximum. Ça va être compliqué. Bon, allez, c'est parti, on va le faire mordre la poussière. Bon, j'ai quand même un vital juste au cas où. Yeah.
Il a passé où? Ah là! J'étais trop près, j'étais trop près. Encore, il n'a pas fini avec ça. C'est pas possible. C'était sec, hein. Allez, allez, réveille-toi. On se rapproche, on se rapproche. Ah, il va s'en dernier. Celui-là n'est pas bon. よっ!
Ah, j'y suis pas, tiens. Allez, allez, encore un petit coup. Yes, c'est voilà, tiens, ramasse, Rabbit. On l'a battu, mais au final, on se fait dézinguer. Pas grave, on l'a quand même eu au bout de je sais pas combien. いつの間に手貸したぞ孫悟空しっかりスポーツ構えとけもうやめだ大人しくこの力引き上げてやる騙されるなよ孫悟空騙せを言ってるだけだ頼む信じてくれ弟よお願いだカカロット信じてくれ貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。そら、もっと苦しみ。次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。 Ah, il y a Gohan qui s'énerve. Ouh, ça fait mal, hein. Ouh, ça fait mal. この俺がこんな奴らにやられるとは。 己の命を捨ててまでバカめ孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星にはドラゴンボールというものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。くそったり。だがいいことを聞かせてもらったぜ。 これまでの状況は全て、はるか宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるな。
1年たった1年後だ 1年 さらに強い選手が2人今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ 1年の間に なるほど。 そういうことだ。 悟空! 悟空ってば! お前らしくないぞ! しっかりしろ! クリリン… 死ぬっちゅうな… 結構… 嫌なもの… まあな… でも安心しろ! すぐに生き返らせてやっから! た… あ… の… あ… あ… あ、消えたぞ。そうか。神のやつの仕業だな。しかし神様だったら安心。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命を蘇らせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの何？嘘だろ。 どうするつもり? この悟飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つには、そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。 その頃、地球より遥か彼方の宇宙のある星で… ラディッツめ、死におった。情けない奴だ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。 よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。 2人はドラゴンボールを使い、永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。Bon, on va s'arrêter gentiment ici, parce que là on a battu Raditz. Donc on verra la suite à la prochaine fois. Ok? Bon, portez-vous bien, puis à la prochaine pour un prochain épisode. Allez, ciao!